Salam alaikum les gents, j'espère que vous allez bien et que vous avez plus la pêche que moi. Enfin, c'est pas que j'ai pas la pêche, je suis grave énervé aujourd'hui. Alors, je t'explique vite fait l'ambiance du jour. Putain, je te jure, je suis vénère. Il vaut mieux que je rigole que. Parce que ce matin, j'ai pleuré comme une mesquina, pauvrette, parce que tellement que j'étais vénère. Bref, on va se maquiller ensemble aujourd'hui, mes petits sarbés. Ça va me faire du bien et je vais essayer de faire une coiffure que j'ai vue sur Pinterest. J'espère y arriver. Au moins, je serai fière de moi pour un truc dans cette putain de journée. Donc, on va partir sur un make-up en mode grise. Avec ce gris là que j'ai pas encore utilisé avec vous. Et comme ça, on va faire le tour du monde de cette palette. J'espère vraiment pas me saouler avec celle-là. J'étais contente parce qu'il y a une sarbée qui m'a dit que je poussais pas à la consommation. Et que au moins, je faisais le tour de la palette et ça m'a fait grave plaisir. De toute façon, je peux pas vous pousser à la consommation actuellement, c'est mort dans le game. À part le haul Shein que je vais faire, parce que j'ai reçu gratuitement les vêtements. Bref, putain, je suis énervée. Donc aujourd'hui, on est le 28 avril, et je pensais sortir de la Hesse, parce que je pensais pouvoir faire le virement de Utip à mon compte. Et au final, le bouton demander un virement, il n'est pas là, il n'y a personne. J'envoie un message à Utip, personne m'a répondu. Voilà, premièrement. Donc ensuite, je trouve une solution. Mon chéri se propose de m'avancer les sous pour éviter l'interdit bancaire. Je te raconte toute ma vie, mais c'est parce que normalement, grâce à vous, j'aurais dû m'en sortir. Et c'est à cause du type que ça me fout dans la khara et à cause de la banque postale qui sert à rien, sincèrement. Donc du coup, mon chéri me propose gentiment. Alors attends, j'ai vu un truc sur le web. Est-ce que je fais ça ou est-ce que c'est dangereux? Non, je vais prendre le gris d'abord et on va le travailler sur la pop. Je sais pas, écoute, j'improvise totalement. Donc, ce qui se passe, c'est que mon chéri m'a proposé de m'aider gentiment, de me faire un virement. Donc, il ajoute un bénéficiaire, tout le bordel. Et on voit que ça marche pas. Du coup, j'appelle la meuf, enfin, j'appelle la poste. Ça fait 5 fois que j'appelle. Au bout de 7 minutes, il te raccroche à la gueule en me disant qu'il y a un trop grand nombre d'appels. Ça fait plaisir. Donc, je suis grave vénère. Et au final, au bout de 15 appels, je tombe sur une dame absolument très conne. Qui me parle sur un ton franchement j'ai pas pu supporter. Au début je voulais fermer ma gueule et ça n'a duré qu'un temps parce que franchement elle m'a gonflé. Elle parle trop mal, wesh. La meuf, je lui pose une question, elle m'agresse. Et après à la fin j'ai fini par lui dire c'est pas la peine de m'agresser en fait. Je te parle normalement, t'es là, tu m'agresses. Je te pose une question et la meuf elle m'agresse, wesh. Mais c'est un truc de ouf. Du coup on a raccroché, on s'embrouille avec elle. Fightage, tu vois ce que je veux dire, au téléphone, comme si j'avais besoin de ça. Ça m'avait l'air, putain. Bref, je prends un pinceau plat parce que la couleur, elle part partout sauf sur ma paupière. Et au final, je pense que je vais rajouter un truc. Je sais pas, je suis en train de réflexionner. Ouais, je vais rajouter un truc dans la transition que j'ai vue. Une couleur qui allait bien avec le gris. La lumière est immonde. Merde, tout va mal. Société en crise. Bref, du coup, ben là, faut attendre 48 heures en espérant qu'ils ne me foutent pas à la Banque de France. Parce que là, ça serait le comble des combles. Parce que j'ai de l'argent qui est sur Utip, je peux pas faire le virement. Eux, ils nous répondent pas au téléphone. Alors, ils savent t'appeler quand t'as découvert pour te dire « Oui, ben, je prends note, je mets dans votre dossier, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas s'ils vont patienter. » Non, mais la blague. Quand t'essayes d'appeler, il y a « Mekaini jete wahed », il y a personne qui te répond. Non, mais c'est une blague. Et franchement, je suis vénère. Je savais que c'était une banque de pauvrettes, mais alors à ce point-là, de se foutre de la gueule des gens à ce point-là, franchement, ça mérite les poils. Donc attends, on va essayer de faire un truc sympa. Donc je travaille le gris ici. On va essayer d'être un peu plus symétrique qu'hier, parce que hier, la symétrie est partie en 15-20. Attends, parce que hier, il y avait un œil qui montait au deuxième étage, l'autre, il était au premier. Comme je suis miro, ben, j'ai pas vu quand je me suis maquillée, j'ai vu au montage comme une chamarre. J'ai été un peu vexée, je vais pas vous mentir. J'aime bien cette couleur, ça fait... Franchement, ça fait joli sur les yeux. Oh putain, mais toi aussi, t'es pas... Arrête. Donc ensuite, je sais pas si c'est un pourpre, mais j'ai vu que le pourpre allait bien avec le gris. Donc je vais tenter la couleur persuasion. Je vais la mettre en ras de cils, comme ça. Attends, on va en prendre un petit touch. Touch the ground. Et je vais prendre un petit peu et je vais la foutre ici. Parce que franchement, ça me parle. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que je vais tout niquer. Non, franchement, c'est mignon. Ça rajoute une touche, une pointe de... Comment te dire? Et je la travaille un peu ici aussi.
sans remonter aussi haut que je le fais d'habitude, parce que ça, c'est un peu chelou, je vais pas te mentir. Donc je travaille ici. Ouais, c'est pas mal ça va bien ensemble. Je sais pas si j'ai une faute de goût ou pas, dites-moi mes amis. Si tata elle a pas de goût, là. Je ne sais pas. Attends, je suis dépassée par les événements. Ça m'a ouette ma journée. Subhanallah, dès le matin, je me suis dit peut-être qu'il faut attendre que ça soit le matin, que ça fasse bien 24 heures, qu'on soit bien le 28 avril. Ils ont voulu me foutre dans la rue. Et ça m'azale toute la journée. Donc j'ai estompé pendant trois plombes, j'ai remis du gris là où il avait un peu disparu. Et là je trouve ça un peu farasse. Je vais rajouter un petit peu de noir avec mon pinceau boule de chez Sephora. Donc avant d'estomper, je vais prendre la couleur Influence et je vais essayer d'estomper un peu le trait de liner avec, genre, tu vois, tac tac. Donc en coin interne, je vais prendre le C1 de la palette, celle-là, mais c'est un blanc, hein, donc vous prenez n'importe lequel. Je vais un peu réveiller ce merdier parce que ça me... C'est d'une fanité, mais exceptionnelle. Enfin. Ouais, c'est mieux là, je trouve. Personnellement, parce que franchement, c'est d'une... J'ai éteint les lumières là, je sais pas comment dire. On a besoin de réveiller le queutru là, parce que franchement. C'est mieux d'un coup, franchement, ça me fait du bien. Donc, je vais reprendre un peu de gris. Je vais reprendre un peu de gris et je vais le tapoter un peu ici là. Ah non mais le blanc là aujourd'hui il a changé ma carrière des paupières et c'est un truc de fou. Ah ouais de ouf, j'ai bien fait de faire ça. Donc ensuite pour ajouter une pointe de couleur, parce que franchement j'étais en dep quand j'ai vu ma gueule. J'ai rajouté une touche de Inlust. Allez. Donc attends, non mais je suis vénère. Je vais réestomper pendant trois plombes. Ici, sans effacer trop de marqueurs, ma foi. Oh, ça va, l'estompage n'est pas ignoble. Ensuite, je mets mon mascara, comme d'hab, et on passe à la coiffure. C'était rapidos, mais ça paye. Et j'ai bien noté le make-up dans les tons cuivre, même si ça me va pas du tout dans la logique. Mais je vais le faire. Bon, j'ai envie de rester dans le mat aujourd'hui. Par contre, je constate qu'il manque un point de couleur ici. Je reprends la couleur Persuasion. Tac. Tac, tac, je tape toi là, le douche, là. Voilà. C'est une blague. Putain, je m'en souviens tout partout. On dirait que j'ai du pas quoi. Oh là là, en plus, il tient bien. Bon, si vous voyez des taches rouges sur moi-même, avant ça part. J'ai voulu mettre le Sephora, encre à lèvres. Je m'en souviens tout partout. Là, en rouge à lèvres, j'ai mis le Arco. En teinte Malabelish, Velvet Passion, matte lipstick. Et j'ai mis un de chez Primark qui sont top. Il n'y a pas la couleur non plus. Bon, bah écoute. C'est les comme ça là qui s'ouvrent. Comme ça, ils sont top. Donc voilà pour ma pomme du jour. C'est un peu fade, mais je trouve ça joli. Donc je vais vous montrer. Bon, fin du mai. Peut-on parler deux secondes de mes sourcils dégarnis? J'ai voulu faire une peucou à 3h du matin. Je croyais que j'avais trop bien fait ça, je me suis wet la tronche.
Putain, ils sont... la moitié de mon sourcil est partie en canse, va, laisse tomber. Je me suis arraché tous les chars, une skin à Fin du make-up, je trouve ça un peu fallace, mais bon, je sais pas. Mitigé total, je ne sais pas. Ça fait 2 jours que je suis mitigé sur ma pomme. Franchement, je sais pas quoi dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de make-up. On va passer à la coiffure, qui j'espère que je vais réussir. Et je vais essayer de ralentir au début. Et après, j'accélère parce que c'est pas marrant pour vous après de regarder. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui mes petits sahbis, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis grave fière de cette coiffure, elle m'a requinqué directement parce que j'ai réussi, donc je suis fière de moi. C'est des petits trucs à la con, mais moi ça me rend fière et je suis de meilleure humeur tout d'un coup. C'est magique, je vais aller faire mon sport, je serai encore doublement de meilleure humeur. D'ailleurs merci à mes sahbis qui me soutiennent sous mes vidéos sport. Et merci à mes sahbis qui restent abonnés à Tata. Malgré que je poste des vidéos de sport, c'est bientôt fini. La sentence est irrévocable, mes sahbis. Non, c'est pour me motiver, pauvre être de moi. Donc mettez-moi des petits likes. Ne regardez pas, je comprends. Je comprends totalement, c'est relou. Surtout quand t'es pas dans un mood sport, je peux comprendre. Mais bref, merci à mes sahbis qui me soutiennent sportivement.
Et mi-juin, normalement, je devrais vous laisser tranquille avec ça parce que la salle réouvre. Je ne vais pas vous laisser tomber flé internet, mais je vais vous. C'est fini les vidéos sport, donc ne désabonne pas. Raté. Raté, on est ensemble là, on n'est pas ensemble. Je comprends pas. Putain, le biceps se manifeste. C'est un truc de ouf. Soit c'est des. C'est même pas des muscles, ça se trouve, c'est un truc de vieillesse. Je sais pas. Bref, salam alaikum les jeunes, j'espère que cette coiffure vous aura pris plus et que vous avez compris le principe, parce que je te cache pas que parler, expliquer en même temps en train de filmer, le temps que moi-même je réfléchisse et je mette mes neurones en place, c'est un peu compliqué, je vais pas te mentir. Mais j'espère que tu as compris le principe. Je vais essayer de ralentir au début, après je vais accélérer la vidéo, sinon tu vas plus pouvoir me voir en peinture. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous reproduisez une de mes coiffures, ça me fera plaisir. Et bravo à Alicia qui a reproduit quelques-unes de mes coiffures. Tu as très bien fait ça, Psartek. Donc, salam alaikum les gens, on est ensemble pour de nouvelles aventures dès demain. Et merci à ceux qui me soutiennent du fond du cœur. Et je vous tiens au courant pour Utip, hein, pour demain. Dans la vidéo de demain, vous en saurez plus là-dessus, j'espère que d'ici le 29, la situation sera débloquée. Et que, parce que je sais plus quelle heure j'ai fait le premier virement. Enfin, la grande blague, c'est pas pour les Alzheimer, ça. Hein. Bref, salam alaikum les jeunes, et prenez soin de vous. Arrêtez de vous angoisser, je vous dis ça, mais moi je suis dans une angoisse totale. J'ai encore dormi à 5h du matin, laisse tomber. Bref, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Je kiffe cette coiffure, par contre le make-up, on est d'accord, il est un peu fadasse, fadasse. Mais j'aime bien, j'aime bien. C'est pas dégueulasse. Qu'est-ce que tu en penses, Yabenti? Dis à tata derrière son PC. Allez, je me casse. Je me tire, me demande pas pourquoi. Le make-up. Boussalik.